avec le cas du bistrot. J'ai vingt de rimes comme la rousse. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction. Une vidéo très spéciale. Pourquoi? Parce que les gars, on va réagir à un feat qui n'existe pas en fait. Oui, puisque on va réagir à un clip, un son fait et produit par PNL World. Donc PNL World qui est en fait un youtubeur, bon bien sûr qui est fan de PNL, d'où le nom, et qui a fait pas mal de remix autour de ce groupe, hein, du rap français, de ce fameux duo. Il a fait pas mal de remix, il a remixé, enfin il a réuni deux sons de PNL par exemple, il en a fait qu'un. Il a fait des feats un peu improbables, PNL notamment, avec les autres là, avec leur casque là, à la con là, avec les Daft Punk notamment, enfin voilà, il a fait pas mal de remix, de feat improbable, et comme feat improbable aussi, il y a pas si longtemps que ça, il a fait Booba Damso. Alors feat improbable, oui, avec le contexte qu'il y a actuellement, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient déjà fait des sons ensemble, et ils avaient réuni, et ça avait fait un son de dingue, vraiment de malade. Bon, malheureusement, cette vidéo a été supprimée par la suite, donc elle est plus disponible sur sa chaîne YouTube, mais là, il a réalisé un nouveau feat improbable et incroyable, je pense, d'avant. C'est entre Damso et Freeze Corleone, les frérots. Ce son s'appelle Noir Équipe, donc évidemment, noir pour Damso, bien sûr qu'il a l'habitude d'employer ce terme, soit dans ses titres, ou alors dans ses sons, et Équipe, bien sûr, parce que c'est le gimmick de Freeze Corleone avec toujours son petit l'équipe. Donc je pense d'avance que ça va être un son de malade. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'on va être dans l'univers de Damso avec ses sons un peu planants, ses sons un peu... on va dire, voilà, il a des prods quand même assez spécifiques. Ou alors, on va partir sur de la drill. Et Damso, je l'ai jamais entendu sur de la drill. Donc, je pense que ça va être assez particulier. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous avez vraiment hâte un jour de voir ce featuring. Ou alors que t'en as rien à battre. Let's go. On est sur un truc piano un peu quand même, hein. Oh, on est sur de la drill, gros. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. En plus ça passe hyper bien quoi. Mais ouais, même le clip quoi, il passe hyper bien en vrai. On dirait un vrai clip quoi. Et la prod elle évolue et tout en plus hein. Ah oh là là. Oh là, mais ça mixe, mais c'est parfait quoi. Connecté. Aïe aïe aïe. Mais quelle violence, mais quelle violence! Du coup, ce fameux son Noir Équipe de la part de PNL World, hein, qui a eu le privilège de réunir Damso et Freeze Corleone. Ah, franchement, les gars, je suis Kécho. Je suis Kécho dans le sens où déjà, on a entendu du Damso sur de la drill, les gars. Ah, franchement, le début est incroyable. Après, je sais pas si vous avez capté, mais j'ai un peu l'impression que le son est divisé en trois parties. Bon, il l'indique après, hein, là je viens de capter, mais le son est un peu divisé en trois parties quand on entend la prod, comment elle évolue et tout, mais la première partie est dingue, sort de la drill avec je crois que c'était le son dose de la part de Damso, et j'avoue j'ai pas capté le couplet de Freeze, j'avoue il a fait tellement de sons là, tu vois, c'est vrai qu'il y a pas mal de sons qui se ressemblent, donc j'avoue j'ai pas capté trop les couplets de Freeze, ça appartenait à quel son et tout. Bon bien sûr il y a eu le fameux tous les jours je fuck à ouf, donc bien sûr qui a un remix là entre guillemets de Freeze Rael, et du coup non franchement incroyable. Après la deuxième partie, on était plus un peu dans l'univers de Damso. Et la troisième partie, on était un peu dans un fourre-tout où ça partait dans tous les sens. Et j'ai trouvé, mais
incroyable, je veux dire la justesse, comment ça a été vraiment remixé, mixé proprement, vraiment même les couplets et les punchs de chacun, c'était carré, c'était propre. Et moi aussi je me pose une question, c'est que j'imagine que c'est lui aussi qui fait les prods. Et les gars, mais cette prod là, elle est mais juste waouh! Wow, tu peux pas dire autre chose que waouh! Franchement, la prod, mais elle est... j'ai envie de poser dessus! Bon, moi, malheureusement, je vais niquer la prod tellement ça a été éclaté. Mais voilà, c'est un truc de ouf! Cette prod là est juste dingue! Même je disais aussi, je réagissais là, c'est que le clip il est propre dans le sens où t'as vraiment l'impression que c'est un vrai clip, donc ça c'est nickel. Et j'avoue, ce qui l'aide bien aussi, c'est que Freeze il a souvent un masque et tout, donc tu vois, tu vois pas trop sa bouche bouger et tout, donc tu peux prendre plein de plans de plein de clips, ça passe nickel juste avec ses gimmicks et tout. Et même les passages de Damso sont propres aussi, nickel. Et non, franchement, le mec, il a à peine 114 000 abonnés sur YouTube. Mais pour moi, c'est des mecs qui doivent avoir plus de 500 000. Mais moi, ce mec-là, mais c'est un monstre, les gars. Le clip fait à peine 65 000 vues. Pour moi, ça doit être au moins 1 million, mais vraiment minimum. Bon, le clip est sorti il y a à peu près 48 heures. Mais franchement, je trouve ça incroyable. Donc, bien sûr, pour moi, c'est fortement validé, PNL World. Non, franchement, t'es... respect. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum et bien sûr à vous abonner en activant cette fucking cloche comme d'hab et voilà, et aussi à me rejoindre à travers les réseaux sociaux. Et ouais les gars, parce qu'il y a un petit concours là qui arrive bientôt, donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout, il va y avoir un bon petit maillot, voire deux, voire trois, voire quatre maillots de foot à gagner. Donc voilà les gars, il va falloir me suivre un peu quoi. Et aussi en commentaire, dites-moi si vous avez hâte qu'un jour ce feat existe. Et franchement, s'il s'appelle Noir Équipe, ah oh, voilà, je kifferais de ouf. Bref, c'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. Je suis égaré, égaré au milieu de ces tarés, tarés. Je suis égaré, égaré au milieu de ces tarés, tarés. Je suis égaré.